monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour une vidéo pour un haul Nose. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai trouvé des choses qui sont quand même assez intéressantes. Donc, je vais vous les montrer. Alors, je suis allée au Nose, donc de Tourcoing. Alors là, franchement, je vous dis, hein, pour ceux et celles qui vont au Nose de Tourcoing, un bon conseil parce que franchement, il faut vraiment être vraiment patiente. C'était un bordel, mais alors, comme on dit, un bordel sans nom. Il y en avait partout. C'est vrai que les bacs étaient quand même assez remplis, mais alors, franchement, pour trouver les choses qui étaient à trouver, fallait vraiment y aller, hein, parce que, franchement, je vous dis, j'ai retourné tout. Je suis restée au moins 3/4 d'heure dans le magasin. Bon, il y en a eu un moment, j'en ai eu marre, je suis partie, parce que là, c'est bon, quoi. C'est compliqué quand c'est vraiment comme ça. Hein. Alors, donc, j'ai trouvé... Alors, donc, je suis vraiment trop contente parce que j'ai trouvé une super housse, pardon, et c'est la même marque que mon sac, et donc, c'est la marque Anek. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu similaire, on va dire, moi, je le mets au niveau, on va pas dire gorgeous, mais je trouve que les dessins, ils sont vraiment trop, trop jolis. En plus, il y a des maisons, donc c'est tout ce que j'aime. Donc, vous voyez, Anek. Voilà. Et vous avez... Un joli dessin. Trop, trop beau. Donc ça, je vais payer 1,50 €. Voilà. J'ai pas hésité à la prendre, hein, parce que franchement, 1,50 €. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, ça va être au moins 6 €. Je vais pas mettre 6 € pour une trousse. Et quand j'ai regardé les prix, oh, bon, bah, je suis 1,50 €. Allez, hop, zou, dans le panier. Donc, voilà. Donc, elle est très, très belle. Voilà. Donc, j'ai mis mes petits feutres paint marker dedans. Voilà, donc vous voyez, elle est quand même assez bien finie. Voilà. Bon, c'est vrai que moi, les trousses, j'en ai pas... voilà, les acheter, c'est pas non plus tellement mon truc. Parce que bon, moi, je sais faire de la couture. Donc bon, c'est vrai que 1,50 €, c'est pas non plus... Ça donne même pas envie le temps. Enfin, ça donne pas envie de sortir la machine à coudre et puis de le faire. Alors, j'ai trouvé à 50 centimes, j'ai trouvé un petit bloc de mousse comme ça, donc d'éponge. Ouais, mon éponge mousse. Alors c'est la marque DLC. Alors je vois pas du tout ce que on peut faire avec ça, parce que normalement c'est prévu pour le DLC, donc je pense que ça doit être prévoir pour voilà, mousse pour faire de la broderie. Donc moi je me l'ai prise parce que je me suis dit ça peut être vachement intéressant. J'aurais peut-être dû prendre deux d'ailleurs, parce que j'avais besoin de mousse comme ça, mais après bon, je me suis dit c'est pas grave. C'est vrai que vous voyez, franchement, 50 centimes, c'est pas non plus cher payé. Et pour faire mes fleurs en relief. Alors, je vais essayer. Si ça marche pas, je ferai sur l'autre projet que j'ai en tête depuis un bout de temps, que je vous en ai pas encore parlé. Donc, on verra. Parce que j'ai cherché de la mousse, justement, pour le faire avec vous. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, je ferai le projet que je dois faire. C'est vrai que j'aurais dû penser en prendre deux. Surtout à 50 centimes. Alors, à 99 centimes, donc, j'ai pris ça. Alors, donc, c'est la marque Artemio. Voilà, donc, alors, j'ai pris principalement pour l'axe, là, la petite tige, là, Lazy Day, après Cocooning, ça, c'est bon quand je dors, No Stress, ben, voilà, quoi. Bon, il y a des cool. C'est pas sans mousse. Ah, ça, c'est pas mal. Si vous avez de la mousse, vous pouvez faire aussi comme ça des trucs sympas. Si vous avez des mots, vous pouvez les faire aussi en mousse. Hein. Ça peut faire aussi joli sur les créas. Alors, j'ai pris... Alors, ça, je l'avais pas vu au niveau du prix. Quand je suis partie, j'ai dit 2,99 €. C'est quand même assez cher. Mais pour, voyez, pour faire, donc vous, alors c'est un classeur d'embossage, hein, tout simplement un classeur d'embossage, un classeur de la marque Crafty Fun Collection. Alors, je connais pas du tout cette marque. Voilà. Mais regardez, c'est plutôt sympa. Je pense que pour faire des petits mots, Crafty, Friends, Half-Made, happy, glitter, inspire, voilà, handmade, cards, sue, love, paper. Je pense que ça doit être, voilà, ça peut faire joli.
Je vous l'embosserai, je vous montrerai à l'occasion qu'est-ce que ça donne, parce qu'il veut bien s'ouvrir. C'est un classeur d'embossage qui ne s'ouvre pas. Voilà, donc dès que je vous l'ai embossé, bah, je vous le montrerai. Alors la suite, donc j'ai trouvé un pochoir comme ça. Alors j'en avais acheté, enfin j'en avais pris d'autres qui n'étaient pas vraiment, je pense que c'était pas vraiment des pochoirs, c'était des formes à découper. Et c'était à 99 centimes. Alors je ne l'ai pas pris. Parce que bon, je me suis dit 99 centimes, c'était quand même assez cher. Ça, j'ai payé 59 centimes. Alors, il n'y avait pas le prix. J'ai demandé à l'hôtel de caisse. Et donc, c'est pour faire des petits, on va dire vraiment des tâches. Mais voilà, je trouvais rigolo. Je me suis dit, vous savez, pour faire sur les junk, voilà, des auréoles de café, ça peut être pas mal. Sur le coup, j'avais reposé, mais après, je me suis dit, bon, je vais quand même demander le prix, parce que ça m'embêtait, il n'y avait pas le prix, donc voilà. Donc, 59 centimes. Donc, bon, je ne sais pas vraiment, il n'y a pas vraiment de marque. Je pense que ça doit être celle-là, cette marque-là. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas personnellement. Alors, voilà les petites affaires. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, ça va être le plus joli que j'ai trouvé. Le plus joli, mais sincèrement. Bon, les autres sont sympas aussi, hein, mais voilà. Alors, j'ai trouvé deux tampons. Voilà, deux tampons. Alors, 1,99€. Voilà. Et j'ai trouvé celui-ci. Voilà. Je ne peux pas vous le montrer derrière, parce que derrière, il y a le petit... ça colle. Oh, mais non! Mais non! Ça s'arrache. Voilà. Donc, ça fait ça. Alors, encore avec des petites taches. Mes copines. Voilà. Il est quand même assez sympa. Bon, je trouve qu'1,99€, c'est quand même cher pour la planche de tampon. Hein. Mais bon. Est-ce que j'ai un papier? J'ai un papier. Yes. Yes. Voilà. Ce que je vois... c'est quel côté, voilà, je pense que ce côté là vous verrez mieux. Alors, un petit tampon comme ça, voilà, qui va aller dans mes tampons, dans ma petite collection que j'ai. Voilà. Bon, ça a arraché. Oh le vilain, oh le vilain. Alors le deuxième, alors celui-ci il est vraiment super, franchement j'ai bien aimé. Alors, c'est les derniers. Alors, je ne sais pas s'ils ont eu un achalandement, si, je ne sais pas si on dit ça. Mais parce que, bon, quand je l'ai regardé, c'était les derniers, en fait. Il n'y en avait plus. Donc, bon. Alors, ça, excusez-moi. Donc, je l'ai payé également 1,99€. Alors, ça vous fait ça. Regardez, c'est trop, trop mignon. Et j'ai trouvé un die qui va avec celui-ci. À mon avis, je crois que c'est un arrivage de tampons parce que c'est pas possible. Moi, j'ai pris tous les tampons. Après, ce qui va suivre, il y en avait un qui est resté. Donc, j'ai vraiment eu du bol. Voilà. Les petits points. Ça fait point de croix. Vous voyez, donc ça, si vous voulez tamponner et vous voulez faire après avec du fil, vous pouvez. Hein, si vous avez vraiment un feutre fin. Voilà. C'est vraiment trop, trop beau. Regardez, avec le petit ciseau. C'est trop génial. Ah, il est pas mal, hein, quand même. Hein, bon, 1,99€. Moi, je trouve que les tampons que j'avais achetés, il y a déjà... Donc, c'est toujours la même marque. Hein, de chez Studio Light, il me semble. Les planches étaient quand même un petit peu plus grandes. Et il me semble que c'était... quoique peut-être 1,99€. Je ne saurais plus vous dire. Je ne saurais plus vous dire. Alors, vous avez 6 pièces. Ah, c'est vrai qu'il est noté le nombre de pièces. Alors, 10 pièces. Alors là, vous avez 10 pièces. Mais bon, maintenant, s'ils comprennent 3 cœurs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Donc voilà. Donc là, les tampons qui sont à 2, ça fait une pièce. Enfin, 3 pièces. C'est un peu bizarre. Donc là, vous avez 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc ça, c'est la planche complète qui vous fait 6 pièces.
Alors, donc ça pour, voilà, pour les tampons. Alors, pour les dyes, j'ai trouvé celui-ci. Alors, ça, j'ai payé 3,99€. Bon, c'était quand même cher, je trouve, hein, mais bon. Voilà. C'était, il y en avait qu'un. Ils en plaient au Nick. Voilà. C'est joli quand même, hein. C'est pas mal. À mettre dans un petit carnet ou autre. Alors, vous avez donc la petite trombone, le stylo, la punaise, les petites feuilles. Par contre, ça, je ne vois pas qu'est-ce que c'est. Là. Pourquoi il y a ça? Je vois pas. Alors, vous avez donc ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est du tout. Avec les rails. Je vois pas. Donc là, c'est le petit post-it avec la punaise, la trombone. Voilà, la feuille. Mais ça, le stylo, je vois pas du tout. Voilà. Je crois que c'est pas présenté sur le devant. Alors, ensuite, ce que je vous disais. Donc là, vous avez la petite machine et vous avez le die. Bon, ça, je l'ai payé 2,99€. Regardez. Génial. Trop, trop bien. Je suis contente de l'avoir trouvé parce que c'est vrai que des dies comme ça sur le thème de la couture, j'en ai pas du tout. Donc, ça sera le premier. Donc là, vous avez une pièce. Donc là, vous avez 6 pièces. Vous voyez, il y a écrit 6. Voilà, je connais pas du tout cette marque. Je vais aller voir sur Internet. Et j'ai trouvé en dernier donc des pochoirs. Alors, la vérité, l'amour véritable, et je sais pas, j'arrive pas à traduire. Voilà, et vous avez celui-là. Donc ça, j'ai payé 1,99€. Bon, c'est cher quand même pour un pochoir. Hein. Vraiment très très cher. Je trouve que 99 centimes ça aurait suffi. Bon, après, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être de bonne qualité. Alors, est-ce que j'ai un stylo? Non, un stylo. Je vais essayer de le retirer proprement pour vous montrer. Donc, je peux peut-être retirer celui-là. Je vois qu'il y a un petit peu d'effet. Allez, je mets là. Allez, j'arrête de faire des bêtises. Hein. Alors. Par contre, vous voyez, ces pochettes-là, j'ai toujours, voilà, toujours galère pour les ouvrir. C'est vraiment, malheureusement, très, très mal fait. Voilà, ça s'arrache quand on veut l'ouvrir. Voilà, bon, à part, oh, ah oui, le plastique est quand même assez de bonne qualité. Voilà. Alors, si vous voulez faire que le ciseau, bah, vous faites que le ciseau. Hein, vous prenez ça, voilà. Là, petite arabesque également. Voilà, c'est ça qui est bien avec les pochoirs. Vous n'êtes jamais obligé de faire la totalité. Je vais essayer de voir si je peux vous ouvrir celui-ci. Puis je me suis pris des plaquettes de chocolat. Mais ça, je ne vous les montre pas. Ah non. Allez, je vous le mets. Allez. Hop. Sans mon pied. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans l'arracher? C'est vraiment pas très bien étudié. Hein. J'ai vraiment du mal. Voilà. Donc, le deuxième. Et c'est un plastique qui est quand même assez épais. Donc, ça, c'est sympa. J'achète plus les pochoirs de chez Action parce que je trouve que le plastique, il est fait quand même... Il n'est pas de très bonne qualité en fait. Hein. Dès que vous voulez poser la peinture ou l'encre ou le. Comment je peux dire, bon, je vais laisser ouvert. La peinture ou la pâte à structure, ça glisse, ça fait pas. Voilà, vaut mieux quand même quelque chose de qualitatif. C'est quand même mieux. C'est comme les pochoirs que je vous avais montrés sur Queen of Craft avec les pochoirs que j'ai eu en collaboration. Je vous remettrai d'ailleurs la vidéo si vous voulez aller la revisionner. Franchement,
il n'y a rien à dire. Franchement, le plastique est vraiment de très très bonne qualité. Donc voilà, voilà pour ce petit haul Nose. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Voilà, moi je pense que je vous ai tout montré. Oui, je vous ai tout montré. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi, en attendant de vous retrouver, je vais dormir. Non, je rigole. En attendant de vous retrouver, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.